Salut, alors dans cette vidéo, on va analyser les résultats Google. C'est parti. Alors, on voit la SERP Assurance Auto. Euh, assurance Auto, qu'est-ce qu'on a On a 2 310 000 résultats. Que je ne pas de conneries, non, attends, 2 310 000. Ouais, c'est ça. Ou 2 milliards Bon, enfin bref. Il y a beaucoup de résultats, quoi. Assurance Auto, ok. Donc là, ce qui est intéressant. Ça va être de, de savoir lire une serpe en fait. Donc, quand on tape assurance auto, qu'est-ce qu'on a On a les suggestions de Google, OK Assurance auto simulation, assurance auto pas cher, assurance auto en ligne, etc. Donc, il y en a combien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, OK Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que Google nous dit Et donc, qu'est-ce que Google veut Et Il y a plusieurs choses. Cette SERP, elle est vraiment riche en informations. Bon, c'est normal parce que la requête assurance auto est, est concurrentielle. Euh, donc, la première, il y a Google Suggest. Okay donc, Google Suggest, comme son nom l'indique, en gros, c'est les suggestions de Google. Donc, là, assurance auto simulation, <coughs> Google, ça veut dire que pour la requête assurance auto, il part du principe que les requêtes assurance auto simulation, c'est une requête pertinente pour la requête principale assurance auto. Concrètement, ça signifie quoi Comment il faut interpréter les résultats ben, ça veut dire que si je veux me positionner par exemple sur le mot-clé assurance auto, okay, comment je vais optimiser ma page Je vais l'ascender en plusieurs paragraphes. Okay. Je vais faire un paragraphe qui va parler de la simulation d'assurance auto. Assurance auto, okay. auto deux points simulation, faites une simulation pour votre assurance auto. Voilà. Vous le tournez comme vous voulez, mais vous mettez ce mot-clé-là, assurance Auto-simulation. Alors l'idéal, il y a quand même un ordre d'importance. L'ordre des mots-clés a de l'importance, ok C'est-à-dire assurance auto-simulation. C'est pas pareil que simulation, assurance auto, mais c'est quand même valable aussi, c'est quand même pertinent. Il y a une légère nuance. Euh, Google traite différemment ce genre de requête, notamment depuis, je crois que si pas de conneries, il y avait un algo spécifique, je sais plus le nom qui est sorti, je crois que c'est Google Bert. Oui, il me semble c'est Google Bert. Qui, justement, qui, qui affine le, le traitement des requêtes en fonction de, du sens euh, de la combinaison. Okay C'est-à-dire que là, par exemple, il va y il va, il va avoir une légère différence dans les résultats en fonction de l'ordre des mots-clés. Si vous tapez assurance auto-simulation, vous n'aurez pas forcément le même résultat que si vous tapez simulation, assurance auto, assurance simulation auto. Ça dépend vraiment des requêtes. En fonction des requêtes, il y a euh, des similitudes qui sont plus ou moins fortes. Et ça, c'est intéressant, justement. C'est un indice, un indice. Alors je ne vais pas dire un indice clé, mais c'est un indice pertinent et quand même un indice important pour donner une indication dans l'intention de recherche et notamment sur la manière d'optimiser la page, euh, la page de contenu pour répondre à ce, euh, aux attentes de Google en fait, tout simplement. À la requête. Et moins l'écart type est important, d'accord. Euh, C'est-à-dire si vous tapez assurance auto simulation et euh, simulation assurance auto, si vous voyez que la SERP est globalement assez euh, proche, d'accord, elle est homogène, elle est quasiment similaire, bah, ça veut dire que vous pouvez travailler euh, le, le, le mot-clé finalement indifféremment, il n'y a pas vraiment de travail spécifique dessus, parce que Google va partir du principe que, voilà, et, la requête est assez similaire à, à ses yeux, l'intention est assez proche. S'il y a un écart qui est important, là, ça donne un indicateur sur, par exemple, faire une page dédiée. ok. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'égarer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Assurance auto, simulation, donc là, on va faire un paragraphe, OK On va appliquer la logique de silo. On va faire, admettons, un paragraphe de 100, euh, 100 lignes. Non, j'ai bien de conneries. Enfin, vous pouvez, mais admettons, 100 mots, par exemple, OK 100 mots. Dans ce paragraphe-là, il va y avoir une logique de maillage interne. On va faire un maillage interne. On va faire un lien vers une page qu'on appelle une page fille, d'accord La page parente, c'est la page assurance auto. On va faire un lien vers la page... Assurance, euh, la page fille qui parle euh, donc assurance auto simulation, par exemple simulation assurance auto. Donc, ça c'est typiquement le genre de page de leads, de voilà, c'est la page qui va capter le lead, capter les, ouais, les, les formulaires quoi. Et, et donc, vous l'optimisez pour ce mot-clé, simulation assurance auto, d'accord. Et cette page-là va être maillée depuis la page assurance auto. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le, le mieux, le plus simple, sera, ça, ça, de, ça sera de faire un exemple concret. Mais bon, je ne vais pas trop m'étaler pour que la vidéo soit rapide. Donc là, Google, qu'est-ce qu'il nous dit Assurance auto simulation. Il y a également le mot clé pas cher. Assurance auto pas cher. C'est-à-dire <laughs> qu'en gros, quand l'internaute tape le mot clé assurance auto sur Google, il veut, il cherche quoi D'après ce qu'on dit Google, il cherche en priorité une simulation, d'accord, il veut une simulation et il cherche une assurance auto pas chère, c'est-à-dire qu'il veut un bon prix. Bon ben c'est logique, c'est comme la requête euh, rachat de crédit en gros, d'accord. Ce genre d'intention elle, elle est facilement devinable. Il veut, il veut une simulation, il veut un comparatif, on est dans, dans, du, dans du devis, dans du lead, quoi, voilà. Il veut un comparatif, le meilleur prix. Le principe du MFa finalement. une assurance auto en ligne, d'accord, parce qu'il cherche une assurance auto en ligne pour qu'elle soit moins chère, pour une raison plus que ça soit plus pratique, ok. Assurance auto jeunes conducteurs, donc ça, ça sous-entend qu'il y a des jeunes conducteurs qui cherchent une assurance auto. En tout cas, il y a un pourcentage plus ou relativement élevé, en tout cas, euh, donc de jeunes conducteurs, donc une population cible assez jeune qui cherche une assurance auto. Donc, on peut supposer, par exemple, euh, l'assurance auto pour euh, le, oui, ben, pour les permis euh, jeunes conducteurs. Voilà, donc ça, ça vaut le coup de cibler. Vous voyez, il y a plein d'indications. On, on est juste, là, je vous montre juste un exemple vraiment très très simple. Sur Assurance Auto, comment lire une SERP, toutes les informations à extraire. Hein okay. Comparateur, Assurance Auto, ça veut dire que sur Assurance Auto, sur ce genre de requêtes, Google veut du comparateur, il veut des sites comparatifs. Ce n'est pas pour rien que sur la SERP, on a des sites comparatifs comme la MAF, le Lynx, Direct Assurance, Assurland. il euh, y a les Furets, je pense aussi, Matmut, Meilleur Taux, il ouais, y a le gros de les mêmes, mais les Furets, un peu la traîne, ok euh, voilà, ben, il est présent ici. Bon, ben, c'est des sites comparatifs sans surprise. Et on arrive sur, sur là, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que sinon ça va durer diplôme. Mais si on lit la, la, la page comme je l'ai fait dans une précédente vidéo, on va s'attendre sans surprise. Le gabarit type, le modèle, on est sur la page de leads, formulaire, d'accord. On est sur la page comparatif, ok. C'est à dire que là, idéalement, ça serait alors, je dis idéalement parce qu'après, dans la réalité, c'est pas toujours comme ça, comme l'assurance autour à de crédit, c'est des requêtes un petit peu spéciales qui sont validées manuellement, sur lesquelles il faut énormément de budget. Et euh, bah après, l'argent, voilà, ça reste le nerf de la guerre, comme les liens dans le référencement. Et donc, euh, bah, c'est celui qui met en gros le, le plus de, de billets sur la table. Quoi. Et donc, forcément, ceux qui sont les plus pertinents, bah, voilà, c'est les leaders dans la vraie vie, euh, la MAF, la Matmut, les, les grosses compagnies, finalement, d'assurance. Alors, vous pouvez arriver, si en fait... Idéalement, pour répondre, d'après moi, à l'intention de recherche, ça serait vraiment d'arriver avec un gros site comparatif type MFA, mais un vrai MFA bien, bien chiadé. C'est-à-dire pas le MFA euh, vraiment purement SO qui pue le SO à 10 bords. Non, non. Mais Vraiment un truc bien fait euh, qui va comparer vraiment toutes les... En tout cas, les principales euh, compagnies d'assurance. Dans ce sens-là, ça répondrait à l'intention de recherche. Dans l'absolu. Après, il y a vraiment une notion d'autorité de domaine, de popularité. C'est là où, justement... Euh, bah, en gros, à faire jouer avec les, les dans la cour des grands avec les gros, et c'est là où souvent le budget euh, ça suit pas forcément. Voilà, c'est une logique long terme. Bon, bref. Mais dans la logique, donc, on est sur du comparatif. Ensuite, on a des indications sur les marques attendues, d'accord. Direct Assurance Auto, c'est pour ça qu'elle re, ressort ici aussi dans les recherches associées. On a également les marques, enfin, les furets, Olivier Assurance, d'accord. Ça veut dire Google, Google. Je suppose que voilà, ces marques là sont pertinentes. En tout cas, ça veut dire qu'il y a la recherche, quand, quand l'internaute n'a pas assurance auto, ça veut dire qu'il y a de la recherche, il y a un pourcentage de recherche qui est important sur ces marques là. Il va s'orienter sur les furets, Olivier assurance et direct assurance, d'une manière ou d'une autre. Bon, je mets quand même des guillemets parce que, comme tout, finalement, c'est tout est manipulable, l'information. Et notamment les Google Suggests, c'est manipulable, d'accord C'est-à-dire, concrètement, si vous voulez que quand vous tapez Assurance Auto, le premier résultat, ce soit par exemple Assurance Auto, euh, ma marque, ou les furets ou quoi, c'est possible. Je ne vous dirai pas comment dans cette vidéo, mais c'est possible, ok Voilà. Ensuite, assurance auto Crédit Agricole. Pareil, une marque. Donc là, le cas particulier, on est sur une banque à la base. C'est pas une assurance, mais de plus en plus. Bon, bref, vous, vous connaissez la musique. Le, maintenant, les banques s'y mettent comme le Crédit Agricole et les, les banques deviennent également des compagnies d'assurance. Bon, on est sur des, des phénomènes glissants. Euh, mais par contre, il, il leur recrache pas ici. Il, il, le, il le présente pas ici. Ok. Donc voilà. De vie, bien sûr. Comme je vous disais, on est sur du leads. On retrouve ce truc comparateur ici avec comparateur assurance auto, vous voyez, et là, il le recrache différemment. Comparateur assurance auto et assurance auto-comparateur. Donc, on peut présupposer, si on veut affiner, d'accord, un petit peu, si on veut aller plus dans le détail, que la combinaison attendue en priorité pour Google, c'est comparateur assurance auto, et ensuite assurance auto-comparateur vient dans un second temps, ce qui est logique, d'accord quand on tape assurance auto, généralement, on est dans une requête, dans une démarche premièrement d'information, d'accord C'est vraiment le phénomène d'entonnoir, hein l'entonnoir de conversion. On est dans une requête large, on <coughs> pourrait appeler un petit peu trafic froid. On est plus sur vraiment sur du positionnement dans ce cas de figure-là, celui qui se positionne sur assurance auto. C'est vraiment pour se positionner également comme leader, plus comme leader que pour vraiment du leads, parce qu'après, il va falloir affiner, d'accord Ce n'est pas vraiment cette requête-là qui va amener euh, même si ça génère un volume important et que sur ce volume-là, bien sûr, il y a du leads, ce n'est pas vraiment la plus ciblée, d'accord La plus ciblée, typiquement, c'est assurance auto simulation, devis assurance auto, comparateur assurance auto, où là, ça présuppose un avancement, une étape dans la réflexion, ok Bref, donc assurance auto comparateur, les furets, voilà. Donc là, on a les recherches associées, donc ça veut dire que sur assurance auto... Si vous voulez générer, créer un site internet optimisé pour cette niche-là, cette niche pardon, assurance auto, euh, donc bien sûr, vous allez créer des, des, toute une, une série de pages, un silo de pages sur l'assurance auto, d'accord Bon, ben là, Google vous le dit, en gros, assurance auto, la page principale. Là, en gros, tout ça, les, les requêtes ici, ça correspond à des pages filles. Vous allez créer, par exemple, enfin, moi, moi, en tout cas, c'est ce que je ferai pour me positionner sur assurance auto, je crée une page optimisée pour chaque suggestion de mots-clés. C'est-à-dire que là, simulation. Assurance auto, pardon, une autre page assurance auto pas cher, une autre page assurance auto en ligne, etc. etc. Boum, je mettrai un paragraphe sur ma requête principale sur ma page parente assurance auto, d'accord, optimisé pour chaque mot-clé ici. Je mettrai un lien vers chaque page fille assurance auto simulation dans mon paragraphe assurance auto pas cher. Je ferai un lien vers ma page fille assurance auto pas cher et donc j'obtiendrai une grosse tartine sur ma page parente qui est optimisée pour la requête frontale, d'accord. J'aurai alors minimum 1000 mots. Euh, même s'il n'y a pas vraiment de, 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 de nombreux types, c'est un ordre de grandeur, ok. Mais sur ce genre de requête hyper concurrentielle assurance auto, j'irai à plus de 3000 mots. On est vraiment sur du ce, qu appelle, enfin, ce que j'appelle du modèle guide, ok. Voilà. Euh, et donc après voilà sur ces pages filles j'aurai ces, ces suggestions de mots clés là. Je ferai également des pages dédiées pour les, les marques par marque par principales marque d'assurance auto, ok. Et là, notamment, le premier choix sans réfléchir, je, je, en fait, l'idée, c'est de vous faire comprendre comment interpréter une SERP, comment analyser des résultats Google, OK Là, je ferai de Google ce qu'il veut. En gros, il, il part du principe que ces quatre-là, ces quatre marques-là d'assurance auto, c'est des marques qui sont pertinentes, d'accord Donc, je vais créer une page optimisée pour cette marque-là Direct Assurance, une page pour Mutuelle, la MAF, là, une page pour la Matmut et une page pour la Maif, OK parce que de créer, de créer, déjà, ça me permettra de, de, de me positionner sur de la longue traîne et ça permettra d'asseoir ce qu'on appelle du, euh, du relevant topic, de l'autorité la sur, de, de sur le topic, sur le sujet, sur la thématique. C'est ce qu'on appelle créer un site d'autorité. Quand, quand on dit créer un site, vous avez certainement dû parler, voir cette, cette notion-là si vous faites un petit peu de veille. Ce qu'on appelle souvent créer un site d'autorité, notamment au niveau américain, US, sur la veille US, la veille anglophone. Il y a souvent un schmilblick qui est fait parce que quand on dit créer un site d'autorité, ça a double euh, comment dire, double signification. Il y a l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité du domaine. Là, ça renvoie au niveau du profil de lien, donc la notion de popularité. Mais il y a également l'autorité au niveau du topic, du contenu. Voilà, c'est vraiment une double notion. Ensuite, je, crée, je créerai une section FAQ. FAQ, c'est génial pour asseoir justement cette autorité du topic. Euh, en plus, c'est facile de se positionner dessus. On est sur une intention vraiment ciblée. Donc là, je créerai une page pour chaque question. C'est les fameux how-to. Okay Quelle est l'assurance auto la moins chère Quelle est l'assurance la moins chère du marché Quelle est l'assurance automobile obligatoire Donc là, on rejoint la logique finalement du comparatif. Okay Ça, c'est la première chose. Je vais essayer d'accélérer pour pas que la vidéo dure diplombe. Ensuite, on voit qu'on a beaucoup d'annonces. Forcément, les requêtes euh, où il y a de, bah, du, du bif, de l'oseille à se faire, où il y a beaucoup d'argent en jeu, forcément, Google, boum, il, il y va, il est vachement agressif sur les annonces AdWords. Euh, C'est ça qui est un peu chiant avec le, réf le référencement au jour d'aujourd'hui sur la requête frontale. C'est moins intéressant par rapport à ce que j'appellerais l'effort de positionnement, d'accord C'est-à-dire par rapport aux moyens humains et financiers à mettre en, en jeu. Pour arriver à se positionner par rapport aux bénéfices euh, que ça rapporte, c'est toujours intéressant, bien sûr, parce que l'énorme le, le, avantage de Google, c'est de, en gros, de positionner ta page, une page web, sur une intention de recherche, d'accord C'est en gros, c'est d'être visible là où le prospect formule une intention. Ça, c'est énorme parce que c'est le trafic qualifié. Et ça, vous ne vous l'avez, nulle part ailleurs, en fait, que ce soit dans les réseaux sociaux, euh, voilà. C'est vraiment le, le principal avantage. Mais par contre, voilà, quand on a beaucoup d'annonces, beaucoup de résultats Google, ben on voit que le, 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 comment dire, le la visibilité du résultat organique pur, ben forcément, elle est, elle est fortement diminuée. C'est pour ça que le plus intéressant en termes de marge, en termes d'efficience, moi ce qui m'intéresse c'est l'efficience, c'est vraiment sur la longue traîne. Il va vraiment falloir aller chercher du mot-clé ciblé sur de l'intention d'achat, l'intention de lead, l'intention de d'objectif, de, 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 en fait, de, de, de CTA. Voilà. Parce que là, vous voyez, on a un... 2, 3, 4, 4 annonces. Surtout que là, sur cette annonce, on a d'autres. Euh, euh, je ne sais plus le nom là, mais euh, d'autres, vous voyez, on a d'autres. Euh, C'est une offre qui a été mise en place par AdWords, vous voyez, pour, euh, toujours pareil, pour, 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 pour augmenter la visibilité de l'annonceur. En fait, là, sur l'AND, il paye plus pour avoir ici euh, voilà, cette visibilité là. Et donc, forcément, ça dégrade encore, ça, 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 ça ne fait que déplacer encore une fois la visibilité du résultat organique. C'est-à-dire que là, on a d'abord les annonces AdWords. On a du résultat euh, Google Maps Business, la GMB. Euh, et le premier résultat organique, vous voyez, la MAF, on est qu'ici. Il est en première position et pourtant, regardez, vous voyez, là je suis sur un écran, une dalle 27 pouces. Euh, vous voyez, je suis en plein écran. Je ne l'ai même pas, en fait, je suis obligé de scroller pour arriver au premier résultat. C'est juste scandaleux, en fait. Vous voyez l'effort que ça demande, qui est juste faramineux pour arriver à, en première position organique sur le mot clé assurance auto, qui est un mot clé hyper concurrentiel. Ça demande énormément d'efforts. Pour au final, j'ai envie de dire que ça quoi, que ça quoi. C'est juste, enfin, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est d'arriver ici en fait. Moi ce qui m'intéresse, c'est de viser, viser les résultats organiques comme c'était à l'époque où il y avait ici où il n'y avait pas d'annonce, où on est là. Parce que là, je vous garantis que le CTR ici, le taux de clic ici, n'est pas du tout le même qu'ici. Et c'est ce que vise Google. Hein. C'est c'est pas anodin, hein. c'est pas hasardeux. Hein, je veux dire, voilà. Pourquoi Google a alors il a eu la bonne excuse du mobile. Bon bref, je vais, je vais passer là-dessus, mais pour pas que ça a dure diplôme, mais mais en gros, voilà, c'est juste parce qu'il sait très bien que euh, bah, que votre œil, euh, il est, euh, il est, il est capté par. Euh, il a une vision en noir, quoi. Enfin, je veux dire, il sait très bien qu'ici, c'est le plus visible, c'est la zone shot. Ok, il y a les études d'eye tracking qui ont été faites. Enfin bref, voilà. Donc le problème, c'est là. Si on voudrait, moi franchement, si je devais conseiller un client, alors c'est à prendre avec des pincettes parce que il y a, y a une limite à ça. C'est-à-dire que là, de Google, géolocalise de plus en plus les cerfs ont énormément évolué ces dernières années. Il géolocalise, vous voyez, assurance auto dans l'absolu, c'est une requête ce qu'on appelle nationale, et pour autant, il, prie, il, prie, il, comment dire, il, il propose des résultats également, euh, des requêtes locales, parce qu'il euh, voilà, peut partir du principe que celui qui cherche une assurance auto, bah, voilà, ça répond partiellement à une, une partie, en tout cas, de l'intention de recherche, et que si vous habitez, je sais rien, euh, euh, à Paris, euh, voyez, euh, comme là, bon, bah, j'habite à Toulouse, okay, bah, là, il me propose voilà, trois résultats euh, vers Toulouse. Okay bon euh, Ça peut être pertinent, mais du coup, si j'ai un client, typiquement, si j'avais un client qui, une assurance auto, qui me contacterait, euh, qui n'aurait pas énormément de budget, d'accord. C'est-à-dire que quand je dis pas énormément de budget, c'est qui a, pas, je sais pas, qui a moins de 10 000 euros, admettons, moins de 10 000 euros par, par mois ou moins de, moins de 1 000 euros par mois. Bon déjà, moins de 1000 euros par mois, moi je, je enfin, honnêtement, j'accepterais pas, euh, euh, pas de, de travailler à moins de 1000 euros par mois pour ce genre de requête là parce que... Je sais que ça ne vaudrait pas le coup, je n'apporterai pas vraiment de, de, de valeur aux au clients euh, pour qu'ils s'y retrouvent en termes de retour sur investissement. C'est tellement concurrentiel. Par contre, pour la roquette principale, je, je, je précise, hein, pour la roquette générique assurance auto, voilà, on est sur des budgets ou assurance auto pour être, pour il faut avoir un budget réaliste pour attaquer ce genre de roquette sereinement. Il faut du 10 000 par mois clairement. Mais par contre, s'il arrivait avec un budget donc à 1000 euros par mois, je pourrais, euh, pourrais l'accepter, mais uniquement pour travailler sur la roquette locale, pas sur la roquette frontale. Okay Et là, je lui conseillerais, dans un premier temps, plutôt de viser des roquettes du GMB, de la, du Google Maps, pour être visible ici pour qu'il s'y retrouve en termes de retour sans investissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment du retour sans investissement, c'est l'efficience, c'est la marge. Parce que le but final du SEO, c'est OK, c'est bien d'être en première position, mais le but final, c'est de générer des pépettes. C'est de... Enfin, voilà, c'est... On ne travaille pas pour la gloire, généralement, OK. C'est pour vraiment avoir un objectif final, c'est de générer du CA, d'accord Un client, si, si vous travaillez pour un client, si... Enfin, si vous voulez qu'il vous passe de plus d'argent, plus de sous, il faut d'abord qu'il s'y retrouve. Il faut d'abord qu'il lui génère un retour sur investissement. Il faut commencer... Enfin voilà, le client, si vous facturez 1000 euros par mois et que ça lui permet dans un premier temps de générer trois quatre 5000 cinq ok il sera plus enclin ensuite à dépenser plus que si vous, vous y allez peut-être baisser à viser boum comme un peu la roquette frontale ça va mettre énormément de temps c'est une stratégie sur le long terme ok bon il y a d'autres raccourcis possibles mais je ne vais pas en parler là mais sinon c'est si une roquette long terme bah, ça va demander énormément de il faut l'air insolide en fait et ça si vous avez pas si l'entreprise n'est pas un grand compte ou qui a pas énormément de trésorerie euh... Si elle n'a pas beaucoup de cash flow, ben en gros, euh, vous allez vous, vous au allez vous casse-pipe, quoi, en fait. Hein, et il ne va pas s'y retrouver, il va dire, bon, merci, ciao, tu as bien travaillé pendant un an. Ciao, bye bye, euh, je ne me retrouve pas. Voilà. Bon, bref, ça c'est notre stratégie. Donc là, ici, OK, on a les résultats Google Maps, ok. Et on a les résultats organiques et tout. On a les questions ici, d'accord, qui d'ailleurs sont différentes hein, qu'ici, ok. Des fois, pas Des fois, elles sont assez similaires, mais là, elles sont différentes. Quelle assurance auto-la moins chère okay. Donc là, on a, on a quand même la même. Quelle assurance auto la moins chère du marché On a la même. Ah, si, on a les trois mêmes, ça m'étonnait. Oui, généralement, c'est les mêmes. Okay, quelle... voilà. Et là, après, on en a une quatrième. Quel document pour assurer une voiture Ok. Et là, après, c'est facile hein pour les suggestions, pour les sujets. Vous avez juste à cliquer, hop, et vous en sélectionne d'autres. Hein voilà, pouf, ok. Bon, après, plus vous descendez, plus vous en recrache, c'est de moins en moins pertinent, vous voyez. Bon, enfin, si, là, c'est pertinent en carte grise pour l'assurance auto, mais au bout d'un moment, ça devient un peu nain. vous voyez. Bon, il faut y aller un petit peu. Là encore, c'est pertinent parce qu'on a vraiment de la matière. On est sur du topic concurrentiel, voilà. Bon voilà, quel est le prix pour changer nom Je pense c'est un peu moins pertinent. Voilà. Bon mais là c'est c'est une mine d'or hein. C'est ces fameuses questions là. How to euh... C'est un nom d'ailleurs je sais plus là. Bref, mais en tout cas euh, c'est intéressant parce que là c'est vraiment euh, c'est une trame mâchée en fait. Hein. Euh, là moi je peux là, je commence, si je devais rédiger une, une page sur assurance auto Bah voilà, je fais ça. poum hein. je fais un paragraphe par, par question. Quelle assurance auto est moins chère Quelle assurance auto est moins chère du marché Boum, boum. C'est du pain béni. Voilà. Ça, c'est vraiment savoir lire une serpe. OK Ensuite, on va affiner. On va aller chercher, voir comment ça se passe. Assurance auto, donc on a, euh, je ne sais plus combien là. 310 millions, 2 milliards, 310 000. Bon, enfin bref, on a énormément de résultats. On va voir qu'est-ce qui se passe si je fais une title. Alors, ça, c'est intéressant. Ça permet de filtrer. C'est-à-dire que là, Google, il me dit OK dans les titles, c'est-à-dire all in title, assurance auto, ça veut dire quels sont les sites qui ont optimisé vraiment le mot-clé en frontal pour ce mot-clé-là, qui ont le mot-clé dans, dans la balise titre, assurance auto. Ben, on n'en a que 137 000, d'accord C'est-à-dire que c'est 137 000. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de, 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 de donner un détail en ce que, en ce que, entre la concurrence indirecte et la concurrence directe, ok C'est-à-dire que sur assurance auto, il y a énormément de résultats qui vont parler de ça, mais qui ne vont pas être en concurrence directe pour se positionner sur cette roquette. Que là, si vous dites all in title, c'est-à-dire que si... Google vous dit qu'il y, y a 137 000, par exemple, résultats, c'est-à-dire de pages web qui ont le mot-clé exact, enfin qui ont le mot-clé assurance auto dans leur titre, dans leur balise titre. Là, ça veut dire que c'est les concurrents directs qui cherchent à se positionner sur ce mot-clé. Okay Et vous voyez déjà, l'écart est énorme en fait. On, parle on passe d'énormément de résultats à 137 000 uniquement. Okay Et là, si on affine avec les guillemets... On n'est qu'à 94 800. Ça, c'est bah, le principe d'AdWords. Si vous faites un peu de pub, là, c'est la exa enfin, l'expression exacte, si on va être exact. Enfin, c'est le cas de dire. Expression exacte, OK Assurance auto. Et avant, sans les guillemets, on a une expression large. C'est-à-dire qu'il peut avoir euh, auto-assurance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la combinaison qui peut varier. Okay Et d'autres mots-clés, d'ailleurs. Vous pouvez mettre assurance auto, autre chose. Ou assurance auto uniquement. Bon, c'est le principe d'AdWords. Euh, je ne sais, sais plus si, avec le crochet, je sais plus si ça marche comme le principe d'AdWords. Non, ça n'a pas Enfin, voilà. Ensuite, on va voir. Alors, il y a soit All-in Title ou In Title. Moi, je préfère All-in Title, All-in. De manière générale, je trouve ça plus fiable, plus exhaustif. Voilà. Mais bon, les deux donnent une indication. All-in Ensure, donc il y a Il Ensure aussi. Moi, je préfère All-in Ensure, je, plus... je trouve ça plus fiable. voilà. Après, euh, chacun va miguer à sa porte. All-in Ensure, donc c'est le même principe. Donc là, Google me dit All-in Ensure, ça veut dire tous les concurrents, donc qui est direct finalement, qui font. Un, des liens avec l'encre assurance auto. Donc là, c'est vraiment sur l'assurance, sur du concurrent direct. Ça veut dire que la, la, la personne, la page web, veut se positionner dessus, cherche potentiellement à se positionner dessus. Okay Donc là, on a 66 400 résultats. Okay bon, sans surprise, on a les principaux, la MAF, les alliances, les, le Lynx, ceux qui veulent se positionner, ceux qui ont les crawls, hein, Ok. Et là, assurance auto en expression large, on est à 819 000. Vous avez, vous avez vu le ratio C'est ça qui est intéressant de voir, c'est les ratios, okay, les différences. Ça, c'est un indicateur de concurrence. Okay. Ici, tout à l'heure, je parlais de, de lire la serre pour l'intention, pour optimiser. Okay. Et là, sur la concurrence, ça, c'est des audits basiques à faire. D'accord. Ensuite, on passe à une autre serre concurrentielle, Plombier Paris. Donc, 6 millions, 470 000 résultats. Okay. Qu'est-ce qu'on a On a... a... C'est quoi ça C'est nouveau C'est quoi ça Protection, ah ouais, c'est les fameux badges il avait parlé, ouais, depuis le temps, c'était aux US, ok. Protection, Google Paris, ouais. Bon, alors, euh, ça, c'est pour ajouter, euh... ouais, c'est un, un argument psychologique, le, le badge, le fameux, un peu, poum, euh, tu vois, c'est pour donner confiance, quoi. C'est le badge certifié, c'est un peu comme certifié sur les, Twitter, les, les comptes Twitter et compagnie. Bon, ça, en fait, c'est du fake, hein, parce que c'est un badge euh, que tu peux acheter, euh, bon... C'est pour attirer l'attention, bon voilà. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des annonces qui sont encore une fois vraiment mises en avant. Hein. Vous voyez, en plus avec les étoiles et le badge, surtout le, les, les étoiles, ok. Euh, ça attire l'œil, ça. Hein. Vous voyez, nouveau pompiers, vous Voyez avec le badge, protection Google. Ça, c'est du vent, euh, protection Google. mes couilles, euh, non. Google, euh, c'est juste qu'il te vend le truc. Quoi. Voilà. Euh, mais bon, dans le billetville. On a des annonces ici, ok, recherche de résultats, paf, paf, pareil, plombier, boum. Vous voyez, les bons artisans, là, le premier résultat organique, il est que là, il m'oblige à scroller encore, hein, je le vois à peine. Hein. Je suis sur un grand écran pourtant. Ah, je suis obligé de scroller, hein. c'est fou ça, c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est une honte. C'est une honte. Voilà, donc le travail que ça nécessite, alors là c'est pareil, c'est le même schmilblick. Hein. Euh, moi, il y a un client qui me contacte là-dessus, euh, conseil sur ce genre de requête. En fait, enfin, moi, en tout cas, je pense au client. Quand le client me contacte, voilà, si euh, euh, c'est bien d'encaisser l'oseille, mais le but, c'est de penser à lui aussi. Là, clairement, euh, moi, je ne lui conseillerais pas, dans un premier temps, sur ce... Enfin, encore une fois, tout dépend du budget, stratégie long terme, l'organique, mais. Mais vous voyez, pour, pour moi, c'est mon avis, ce genre de roquettes-là, vraiment des roquettes un petit peu spéciales, euh, concurrentielles, Assurance Auto, Plombier Paris, même si on est un géologue, Paris, c'est vraiment déjà la, le boum, la frontale sur la géologue spéciale. Plombier Paris, c'est la cerise sur le gâteau, c'est une fois que vous êtes déjà visible sur la thématique, vous avez du budget, vous y allez, quoi, OK Mais l'attaquer direct, comme ça, euh, c'est aller au casse-pipe, quoi. Enfin, en tout cas, il y a intérêt à avoir le budget. Là, d'abord, le plus intéressant... C'est le Google Map carrément, c'est le Google Maps. Hein, Ce n'est hein, pas pour rien que Google veut faire du, de la l'AdWords sur Google Maps. Hein. Bah, c'est le cas ici, de toute façon. Donc voilà, bon, après, vous avez le même principe. Comme je expliqué, All-in-title, euh, all in, title, all in ensure, ok, bon, je vais accélérer pour, pour que la vidéo soit un petit peu rapide. Voilà. Euh, Hôtel Paris, pareil, euh, on a de l'annonce. Vous voyez, tous ces résultats, c'est énorme. Hein. 3 Ouais, c'est comme l'autre hein. c'est 100 milliards. Hein, si j'ai pas de conneries, 3 milliards c'est énorme. Bah, bon, ouais, c'est des roquettes spéciales. Hein. Hôtel Paris, euh, boum. C'est pas pour rien que le mec à l'époque euh, il avait un référenceur là, hôtel à Là, il était en première position à l'époque. Alors, c'était pas du tout les mêmes serpes. Hein. Il était là le type. Hein. Donc là, il s'en mettait plein les poches. Et il a vu le vent tourner. Euh, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, le business, le sens business. C'est quand tu vois la, le vent tourner, tu, 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 tu revends. Il l'a vendu à une compagnie là, je sais plus. Euh... Bah, si vous allez dessus, vous voyez, de toute façon, la compagnie, je sais plus ouais, le nom. Enfin, bref, il faut aller dans les mentions légales, là. Mention légale, autrement, SAS à Marseille. Voilà, bon, il avait vendu à bon prix. Bref, et donc, du coup, vous voyez, parce que là, euh, annonce, 1, 2, 3, 4, pareil, boum, le maps, boum. Alors là, putain, vous voyez, quand Puis là, c'est que des gros, là. C'est les mecs, euh, et le premier résultat, il est là. Puis là, c'est verrouillé, le truc, hein. On a que les gros, là, TripAdvisor. TripAdvisor, c'est quoi C'est du MFA, entre guillemets, de... de c'est du MFA version premium, hein, c'est ça quoi. Hein. C'est du MSA, MFA version grande échelle, quoi. On a les bookings, bien sûr, les gros mastodontes, boom, ils y vont. Donc là, bien sûr, ils sont leaders en AdWords, euh, le petit coup de fil à Google, ok. Euh, Hotel.com, d'accord, même si le site... Non, oh, ils ont fait une refonte parce qu'il était particulièrement moche. Ouais. Ok. Accord, ok, paf, paf, hôtel design. Et donc, j'ai jamais l'hôtel à Paris, il était où là Euh. Ouais, il est là, oui. C'est pareil, putain, regardez, quoi, faut, faut scroller là pour aller. L'effort que ça demande. De toute façon, là, ces serpes-là, elles sont quasiment verrouillées. C'est-à-dire que vous allez. Euh, pff, pour sortir sur ce genre de moquette, il faut sortir là sur l'artillerie lourde. Déjà, à l'époque, hôtel à Paris, la stratégie netlinking, c'était une stratégie netlinking agressive, énormément avec les ans qu'on t'a le Paris, avec du, et la sauce quoi. Et, et là encore plus, il faut de lourde là lourde pour concurrencer les types. Euh, voilà. Mais tu peux y arriver, c'est possible, c'est possible. Tu vois, regarde, euh, même si elle est gros, tu arrives ici, tu as hôtel à Paris, c'est du MFA, là-bas, ça, bon, ça a été racheté, d'accord Soit est en passant, d'ailleurs, depuis qu'il a revendu, euh, il est en première position. Euh, vous, les types, ils ont fait n'importe quoi. Hein, euh, ils ont modifié des trucs, euh, du coup, euh, pff, maintenant, ils ont, il est plein en première position. Hein. Paris, euh, pareil, France Hôtel, ok, bon, voilà, la première page, la première position, elle est possible, elle est possible parce que ça a été le cas, mais c'est pareil, ça demande énormément, de... c'est du marathon, le truc, ça demande du de travail de fond, faut, voilà, quoi, il mieux viser la longue traîne. bon, là, les recherches associées, pareil, ok, on a les mêmes suggestions, paf, paf, bon, ben, là, vous voulez vous positionner là-dessus, vous faites des, 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 des requêtes par arrondissement, hein, Hôtel Paris 1er arrondissement, Hôtel Paris 2e, etc. Alors à Paris, la particularité, c'est qu'il y en a un qui pousse le vice jusqu'à faire par rue <laughs> pour faire le plus de pages possible. Bon, il faut bien que ça soit fait si vous ne voulez pas, si pas qu'il y ait le panda qui tape à la porte. On cherche à associer SNCF. Alors ça, c'est très curieux. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est la pertinence de ça Alors ça, ça, ouais, putain, il y a des trucs quand. Bon Paris c'est pertinent pour la tour Eiffel, même si je cherche un hôtel, ne cherche pas la tour Eiffel mais pour la, 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 la destination. Mais alors j'ai... Ah putain, c'est où C'est s'il me tape Attends, c'est quoi Parce qu'il a toujours eu ce bug Google, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est toujours le cas C'est sur l'agence de com ou agence de. Il a plu? Il a plu ou pas Il me semble que c'était sur l'agence de com. Ah, depuis le temps, quand même. Depuis. Euh, ouais, non, depuis toutes ces années, il a peut-être peut compris le truc. C'est peut-être remonté euh, à la direction, quand même. Ouais, ouais. ouais au bout d'une dizaine d'années, quand même. Mais alors, à un moment donné, ça, là, putain, sur l'agence de com, sans déconner, en local, il te recherchait, mais pendant des années, ça a duré comme ça. J'ai jamais compris le chemin ils de bique. Il te recrachait des agences simo, quoi. J'ai jamais compris le rapport entre la thématique communication. Il ne devait rien y avoir un rapport, hein, pour Google hein, entre la communication et l'immobilier. Tu tapais ça, Agence de communication de Paris, euh, mais principalement sur Paris. Hein, et tu avais des résultats d'agence SIMO, quoi. Je te jure. Hein. Qu'est-ce que ça foutait là Bon, bref, c'était l'anecdote. Alors, achat de crédit, on a pareil, euh, 10 millions de résultats. Ok. Boum, pareil, énormément de mots clés. D'accord, Simulation en premier, comme l'assurance auto. D'accord Donc, l'intention est clairement sur de la simulation. Il y qui revient, immobilier, CoFIDIS, c'est quoi Ok, tac. Quelles sont Pareil, les questions. Bon, ben là, c'est comme l'assurance auto, les principaux, hein, CTLM, CoFIDIS, poum, meilleur taux. On a des annonces, euh, je ne sais pas qui c'est, celui-là, c'est un petit nouveau, ah, raf. Bon. Meilleur taux, bien sûr, depuis des années qui s'est incrusté, hein. Autre question. Alors, vous voyez, ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment étudier la SERP. En enfin, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans l'analyse de SERP, c'est savoir si ça vaut le coup de la pénétrer, en fait. Okay C'est-à-dire que suivant les SERP, ça va être plus ou moins rentable en termes de saut. C'est-à-dire que là, par exemple, si je devais comparer avec l'assurance auto, pour moi, cette là, cette roquette' là achat de crédit, me donnerait plus envie, même si c'est concurrentiel, okay même si je sais qu'il y en a qui vont, qui vont dire que ce n'est pas intéressant. Euh, Fabien Achidel ou Radiquel ou je ne sais plus, l'avait dit à un moment donné qu'il avait essayé, que ce n'était pas rentable et tout. Euh, ben, au niveau de la serpe, c'est quand même plus intéressant, ça donne plus envie. Pourquoi Parce que même si on a les annonces ici, 1, 2, 3, 4, ok, et bien là, le premier résultat organique est beaucoup plus intéressant quand même, d'accord Parce que Rachat de c'est comme l'assurance auto, c'est du lourd en termes d'effort de positionnement, d'accord C'est. Il oh, faut y aller, il faut sortir la grosse artillerie, d'accord Bon, et bien là, c'est quand même plus intéressant parce que on, est quand même, on a un meilleur taux de clic, c'est sûr. Je ne connais pas le taux de clic ici, mais je serais curieux de savoir le taux de clic ici, le point de résultat et sur Assurance Auto. Je suis quasiment sûr qu'il est supérieur ici, ok Il faudrait comparer par rapport au volume de recherche, d'accord Mais sinon, ton taux de proportion gardé, il est bien meilleur ici. Il est au-dessus des questions, il s'est installé PPR, tac, il a CTLM, vous voyez Et là, on a Empruntis dessous. Empruntis, il est beaucoup moins intéressant, le taux de clic, déjà, d'accord c'est pour ça que c'est intéressant de comparer les CRP, ok? Parce que les CRP, elles changent au fil des années. C'est-à-dire que vous pouvez être bien installé sur une CRP, vous pouvez être en première position, au bout et vous, vous, vous allez voir souvent vous allez avoir un phénomène d'érosion, d'accord, du taux de clic, et donc du trafic, et vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez dire, merde, je suis toujours aussi bien positionné, c'est -ce quoi ce bordel? Ben parce que la CRP, elle a changé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous étiez là, il n'y avait pas d'annonce. Du coup, il y a un concurrent qui vous a repéré, il a fait la tu as son cousin qui est venu aussi, boum, du coup, il a dit, hey, ah, ça vaut le coup, là, elle est rentable. Bon, mais ben, allez, boum, tu as, as, as les concurrents, tu as le bouche à oreille qui s'y met, tu as 3-4 5, 5. qui va s'y mettre, du coup, ça va le faire ce à oreille, tu as Janine qui va parler à sa voisine, ok, qui va parler sur le réseau, ok, ok, tac, 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 tac. tac. Bon, mais ben, tu as un autre qui va, qui va venir avec plus de budget, avec la grosse main lourde, boum, du coup, tu vas avoir des résultats Google Shopping, tu vas du ci, du là, tu vas du MAP, tu vas la vidéo, bam! Et du coup, tu es baisé, quoi, ok Bon, ben dans ce cas-là, tu te casses, tu attaques une autre serpe voilà. faut voir comment la serpe évolue, ok C'est pour ça que ce pas pour rien que les niches, d'accord Les niches intéressantes, quand intéressantes, qui sont rentables, pour un référenceur qui fait du MFA, qui est éditeur de site, ben c'est pour ça que souvent, quand vous demandez les niches, ben, il va pas vous les dire, les niches rentables, d'accord Celles qui ramènent de l'oseille, il va se les garder pour lui, d'accord pour, parce qu'il faut, faut, faut pas, voilà, c'est du bon sens à un moment donné, tu as pas, un truc qui est rentable, tu vas pas le parler à ton concurrent, quoi, je veux dire, voilà, tu exploites le truc, tu les sors un maximum, tant que c'est rentable, et une fois que ça commence, tu sens le vent tourner, bon, ben bah, là, tu peux commencer à en parler, le mec, s'il veut arriver, toi, tu passes à autre chose, et voilà, quoi. Ok, donc, achat de crédit, achat iPhone, bon, bah c'est un petit peu une roquette historique, achat hein, iPhone, euh, hyper concurrentiel, ok, euh, on a du Google Shopping là, d'accord, de l'annonce, on a de l'Apple, on a de la FNAC ici, ok, ok. Mais c'est quand même intéressant aussi. C'est quand même intéressant, c'est un, un petit peu plus haut, ok, d'accord. Mais c'est pareil, là, typiquement, pour se positionner sur ce genre de requête-là, le plus rentable, ça serait sur Google du Shopping, ok. Parce qu'en organique, vous allez être ici, d'accord. Et ici, elle est verrouillée, il n'y a, a que des gros, la FNAC, Darty, Back Market et compagnie, là, d'accord. Vous pouvez, mais... C'est pas rentable, bordel, c'est pas rentable. Si vous êtes un petit entrepreneur, voilà, comme monsieur tout le monde, euh, ça m'étonnerait que vous ayez rien solide pour ça, quoi. Donc voilà, faut... là, c'est du Google Shopping. Là, il peut avoir un coup à jouer, d'accord Il peut avoir un coup à jouer, même si c'est quand même verrouillé euh, par les principaux, mais vous pouvez faire un coup de poker là-dessus, quoi. Trottinette électrique, pareil, la roquette, elle a évolué très, très rapidement. À un moment donné, je sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça que cette roquette, elle existe. Il y avait des MFA, des référenceurs qui se positionnaient dessus. Moi, le premier, j'avais essayé. Mais très vite, la roquette, il y a les gros qui sont arrivés. La roquette s'est emballée. Ça ça s'est vu au nombre de résultats. Et la SERP, elle a changé très rapidement. On a eu des annonces, du Google Shopping, de là, de l'image, d'accord. Euh, des gros qui sont arrivés, OK. Donc, les gros, c'est Darty, c'est toujours les mêmes, OK. C'est Discount, Decathlon, boum. Bon, ben dans ce cas-là, tu te casses, tu vas ailleurs, En tant qu'éditeur de site, c'est pas ça le plus intéressant. Enfin, pour moi, ce n'est pas le plus rentable, en tout cas. C'est pas le plus rentable. Par contre, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on voit que la SERP est différente. On voit que la SERP est différente, ok On voit qu'on a beaucoup d'images, donc c'est le genre de roquette, trottinette électrique, Google veut de l'image, veut du visuel. Ça présuppose ça. On a du visuel ici, du visuel là, du visuel là, du visuel là, du visuel là. À un moment donné, si tu n'as pas compris Google, il veut du visuel sur cette roquette, euh, je sais pas, faut t'acheter un cerveau, quoi. C'est c'est lire la serpe ok Là, il veut du visuel, Google. Il veut du visuel, ok. Il le sort. T façon, c'est pareil ici. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est pareil. Il faut observer là. Ici, les onglets, en fonction des roquettes, c'est pas les mêmes. Vous n'allez pas avoir les mêmes ordres ici, d'accord. Regardez, image, shopping, vidéo. On a shopping, vidéo, d'accord, et ensuite image. Ça, Google, il vous parle, il vous parle, Google. Il faut savoir, il faut savoir l'écouter, d'accord. Il faut savoir le parler, d'accord. C'est-à-dire que là, Google, d'abord, il veut du shopping et il veut du l'image, d'accord Avant de l'actualité, il veut pas de la. C'est-à-dire que là, sur l'intention de recherche, il veut pas de l'actualité. Il s'en bat les couilles de l'actualité. Ça répond pas à l'intention. On est sur une requête commerciale, visuelle. Il veut du shopping, il veut du résultat, il veut du visuel, ok Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que. <laughs> ce qui est étonnant, c'est quand même, ils vous foutent quand même des résultats à la une. C'est ça qui est étonnant. Bon, pourquoi pas Actualité, on a quoi Ah ouais, il y a 26 minutes. Bon, mais j'ai dit conneries. C'est étonnant, c'est un peu le contre-exemple parce que généralement, quand l'actu il est là, bon, mais il veut quand même, vu que c'est une roquette phare, ouais. Pourquoi pas Bon, enfin, c'est quand même les gros, hein. parisien, Capital et compagnie. Voilà. Bon, par contre, après, il y a les roquettes MFA, là. Hein. Meilleur extracteur de jus, ok. Google Shopping, on est sur du visuel encore. Là, c'est intéressant d'y aller, là. Parce que là, vous êtes en première position ici, là, c'est un petit peu comme la position zéro, boum, feature snippet, bam. Boom, bon, taux de clic, là, ici, là, celui qui est ici, là, vous Là, celui-là, il est sur la serple, il extrait le jus. Là. Ok, paf, paf, que choisir, bien sûr, avec généralement sa page bien léché, là. Le petit bouton en haut, ouais, non. Euh, ouais, pour l'abonnement, voilà, et après, tout le petit... Pouf, 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 pouf. Euh, ok, voilà, extracteur du point net, le petit MFA, consola, vous y avait la redirect de Marine 2017 à l'époque, mais il a pété la redirect, euh, voilà. Voilà, voilou. Bon, et là, par exemple, c'est une roquette, une roquette qui pourrait être intéressante, ça, Vélo Solex. Vélo Solex, on a les images en premier, du visuel, ok. Donc là, on a la marque. On a du résultat vidéo, du Wikipédia. Donc, ça, pour moi, Wikipédia, même si à la base, ça, re ça ressort sur de la requête informationnelle, c'est quand même un bon indicateur quand on a du Wikipédia. Pour moi, ça, ça suppose. Que la requête est quand même facilement pénétrable, d'accord Parce que Wikipédia, c'est pas un concurrent direct, ok C'est-à-dire que quand j'entends concurrent direct, Wikipédia, il s'en bat les couilles, euh, il va pas, il va pas euh, s'y voit un euh, voit un City Commerce, un concurrent arriver dessus sur Vélo -Solex, il va a pas dire à son service, pas son service marketing, je vais pas être en sur le Solex, non, il s'en fout, ok Donc là, voilà. Donc ça, c'est intéressant, ça, ça veut dire que c'est une requête qui peut être facilement pénétrable, ok Là, on a des recherches associées, il faut savoir lire ici, ok Vélo Solex Occasion, Vélo Solex électrique Prix, d'accord Et là, on a une marque, un modèle, Vélo Solex 3800, ok En France, 1978. Donc là, c'est des indications. Si je veux me positionner sur Vélo Solex, je vais... L'intention, on cherche, c'est le, le, le chineur, hein, c'est normal, hein, il veut l'occasion, on a une notion de prix, d'accord, donc de l'électrique, bien sûr, en France, c'est typiquement français, on a ce modèle qui ressort, on peut avoir les deux, occasion, neuf le prix, il y a quand même cette notion de prix qui ressort deux fois, okay, qui peut s'expliquer. Ça peut expliquer pourquoi on a à la fois occasion et neuf, ça répond à deux intentions. Et 1978, donc, il doit correspondre, j'imagine, à la date euh, à peu près, ou l'époque phare, ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, cette date a une importance. Hein. Euh, voilà. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Et là, on a encore une fois ce modèle qui ressort 3800. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je, veux, si, je veux, si je veux me positionner sur cette niche, je vais regarder d'abord vélo solex, ok 2 500 000 résultats, ok. Ensuite, je vais affiner, je vais voir meilleur vélo solex. Là, on passe déjà à 894 000 résultats, ok On a des annonces visuelles ici, de la vidéo, des questions, ok. On a toutes ces questions ici, là. Ça, ça en a beaucoup d'indications là. D'accord Quel est le solex le plus rare Vélo Solex Micron, Vélo-Solex 5000 pliants, baptisé Plio Solex. Mais ça, c'est de la pépite, ça. Ça, c'est de la pépite. Moi, je voudrais me positionner dessus. Boum, je fais un mini site, la MFA, la Vélo Solex Micron, la boum, Vélo Solex 500 000 pliants, Plio Solex, boum, j'y vais, la paf. Une page, une page optimisée pour ça, parce que ça, ça va être facilement pénétrable, ça, facilement pénétrable, à haute intention de recherche, sa haute intention d'achat, ça, d'accord. Ça, c'est la serbe ça. Google, il vous le dit là, il vous le dit. terre, derrière, ben. tu veux te positionner t'es boum. Ok Il faut savoir lire la serpe, d'accord Ça, c'est important. Meilleur Vélo Solex. Solex le plus puissant. Patati patata, ok. Pareil, le S3800, il revient là. Boum, il revient le S3800. Putain, je me dis, il y, y a un coup à jouer là. C'est quoi ce bordel C'est quoi ce modèle 3800 Ça m'interpelle. C'est quoi ce 3800 là C'est quoi là Il se passe quoi ici Il se passe quoi Et là Là, Vélo Solex 3800, je suis à 514 000 résultats. Je vois qu'il y a quoi Il y a du forum là. Il y a l'occasion, il y a de l'occasion, des questions, vidéos. C'est des, pa des passionnés, ça. C'est des passionnés, passionnés. Pièces détachées, c'est facilement pénétrable. Ça, les mecs, ils travaillent pas leur requête. C'est pas de la, c'est du concurrent direct tout ça. IB, c'est la fiche produit. On s'en bat les couilles. Il est pas optimisé dessus. On le, on le bouffe, ça. On le bouffe. Si on est bien optimisé Wikipédia, on le bouffe là. Ok. Le Solex, on le bouffe, la Bécane, on le bouffe, ça c'est de l'amateur, ça on les bouffe tout ça, on les bouffe là. Là, il y a un coup à jouer là, d'accord T'arrives avec une page web bien léchée, la bien optimisée, un site optimisé Vélo Solex, d'accord Boum Là, tu les bouffes, là, tu les bouffes, et là, il dort un coup à jouer là, d'accord Vélo Solex 3800 avis. ça c'est de la roquette. C'est Solex 3800 avis. pourquoi Parce que le mec qui se tape ça, Vélo Solex 3800 avis, comme ça on dit qu'il veut se faire un avis, d'accord Donc, il veut peut-être acheter le truc, là, il veut peut-être acheter, faut y aller là. Et là, on a du forum, là, c'est de la pépite, ça, forum, on va aller spammer les forums, on va faire du spam qualitatif, d'accord On va aller sur le forum, pouf, on va aller voir l'intention, qu'est-ce qu'il y a derrière, ils veulent du prix, là, ils veulent savoir le prix, d'accord On va y aller, là, on va, on va se faire passer pour Tonton Bernard, là, le petit Michou, là, on va lire tout ça, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, paf, paf, d'accord On va y aller, tac, tac, salut, c'est moi, je m'appelle Michou, je suis passionné, pouf, pouf, on va pas foutre le lien premier, d'accord on va installer une petite relation de confiance, deux, deux messages, trois messages, pouf, pouf. Il y a Janine qui va répondre, ok. On attend un petit peu, on laisse reposer, d'accord, comme une pâte, ok. Tac, et ensuite, une fois qu'il y a un petit truc, là, on, on, une fois qu'il y a du contact, là, une fois qu'il y a on sent une petite émulsion que ça prend là, et là, paf, on fout un lien. Boum. Je suis tombé sur un site, là, le site Tartempion, la Vélo Solex, là, Bim, ok. Du lien propre, nike URL, HTTP, boum, ok. Et ça, c'est posé. Performance normale, tac. Voir le forum, putain, c'est de la pépite, ça, c'est de la pépite. Ça, on est sur la bonne niche, là. On est sur la bonne niche, à mon avis, là. Meilleur Vélo Solex 3800, paf, pareil, là, boum. Là, on y va, là. Ok Et on retrouve, là, on retrouve ces trucs, là, prix, prix, occasion, là, 3800, la prix, putain, ils attendent que ça, les mecs, ils attendent que ça, là. Ils veulent l'acheter, ce Vélo Solex. Ils veulent l'acheter, là. Il faut y aller, là. Il y a la vidéo, vous faites une vidéo, là, vous faites une vidéo, d'accord vous faites la vidéo de Tonton Bernard qui est passionné par son vélo Solex, vous racontez l'histoire, d'accord Tonton Bernard, il a parcouru 3800 bornes avec son vélo Solex, il a été en France, en Italie, en Égypte, d'accord Et grâce au vélo Solex 3800, bah putain, il a arraché le bitume, quoi. Ok Là, on y est, là. Là, on y est, là. Ok Voilà. Bon, bah c'était un mix, c'était un bonus, d'ailleurs. Dire à Serp et attaquer une niche. Deux en un. C'est pour moi, c'est cadeau. Ok, bon voilà. Allez poulet, si ça t'a plu, lâche un commentaire, euh, lâche un commentaire. Commente, tu connais la musique, voilà. Si tu veux aller plus loin, tu t'inscris à la newsletter. Si tu veux du coaching, de la formation, tout y quanti. Bah tu sélectionnes, tu commentes, tu réserves et tu vas quoi. Hein. Ok. Allez, à la suite au prochain épisode. Ciao.